Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multigaming, c'est BD, on se retrouve pour le 6e ou 7e épisode, je sais plus. Je crois que c'est le 7e épisode du Let's Play sur Resident Evil 0. Donc allez, on va continuer. Ce qu'on va faire, on va prendre Billy cette fois-ci, même s'il est un peu blessé. Et on va aller visiter l'autre porte. L'autre porte. L'autre porte, c'était laquelle? C'était laquelle? Il faut descendre. Viens avec moi déjà. Faut descendre. Qu'est-ce qu'il nous reste à visiter concrètement là? Je vais regarder un peu ce qu'il nous reste à visiter là en tout bas. Parce qu'on a bientôt fini. Il y a une salle là. Ah, il y a tout ce qu'il y a là-bas. Il y a tout ce qu'il y a là-bas et ce qu'il y a ici. Ouais, on n'est pas très loin. On n'est pas très très loin, je pense. Donc, ah, par contre, Let's split up. Roger. Bon, il va falloir faire attention, il va falloir faire très très attention. Ouais, il va falloir faire très attention parce que. Ah putain, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller avec lui. On va y aller avec Rebecca. On va y aller avec Rebecca parce que là-bas il y a des gros monstres. Là-bas c'est là où il y a des gros monstres. Putain. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des zombies. Ça fait chier de pas pouvoir sauvegarder là. Bon. Allons-y. Donc là ça va être un mode esquive. Oh, l'esquive, c'est passé. C'est ici. Allez. Ok. Je suis passé. Ah non, il y a des zombies. Où c'est qu'il est? Oh là, il y en a là. Ok. Oh, il y en a deux. Oh putain, on se barre. Va aller prendre Billy. Putain, là, il faut l'esquiver encore lui. Oh, l'esquive. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va pas prendre Billy, mais on va prendre César. Monsieur Billy, j'ai besoin de toi. Juste ça, je pense que ça suffira. Allez. Allez, ma petite Rebecca, t'es courageuse. Il faut y aller. Encore un mode esquive. Il est où? Oh, l'esquive encore. Putain, j'ai bien joué encore une fois. J'ai bien joué. Donc il y a deux zombies ici. Ok. Allez. Putain, caméra. Ok. Une tête en moins. Et l'autre. Allez. Allez. Et deux têtes en moins. Et ça, c'est beau. Ah, donc ici, il va falloir mettre les microfilms. Ah, oh, merde. Merde, merde, merde. Allez. Munition pistolet. Donc ici, apparemment, il va falloir mettre les microfilms, si je dis pas de conneries. Forcément. Il y a une caméra. Ok. Bon, ben il va falloir aller les chercher. Hein. Petit Billy. Allez, prends-le. Ok. Un deuxième.
Ah mince, je peux pas prendre le deuxième. Ah donc c'est Rebecca qui doit l'avoir l'autre microfilm peut-être. À moins que je l'ai pas pris. Oh, merde, je l'ai peut-être pas pris. Ah si, je l'ai pris, c'est Rebecca qui l'a. Bon, Rebecca va utiliser le premier. Utiliser le premier. Ok. Bien se mettre en face apparemment. Ok. Ce que ça donne. Ok. Ok. Bon. Je vais aller le chercher avec Rebecca. Je vais aller le chercher avec Rebecca. Elle m'a fait des miracles sur les esquives. Donc on va essayer de continuer. On va essayer de continuer. Allez, c'est parti. Oh putain, là il m'a eu. Ok, je suis passé. Il m'a donné un petit coup quand même. Il m'a donné un petit coup de savate dans la gueule. Ça fait pas plaisir, mais bon, c'est pas grave. Allez. Je suis en mode ok encore, donc ça va. Ok, donc donne-lui ça. Et on se rebarre. Non. Tu restes là, Billy. Je vais attendre. On va attendre que tu aies des soins, Billy. Tu viendras plus tard. Allez. Allez, c'est parti. Oh là, l'esquive. Magnifique. Ah, Rebecca, elle est incroyable. Rebecca, elle est incroyable. Rebecca, si elle jouait au rugby, ça serait une experte. Incroyable. Bon, deuxième. Ah, ok. Il y a quelque chose d'écrit sur. Ok, donc ça c'est pour. Je vais le prendre en photo avec mon téléphone en vrai. Parce que ça. Il va falloir le retenir, je pense. Attendez. Moi je suis un guiche. Ok. Hop. Très bien. Moi je l'ai. J'aurais pas besoin de rouvrir et tout. Donc quoi, donc petit film, donc ça va être pour la salle de conférence. C'est un disque, bon. Ok. Ok, donc ce sera pour la salle de conférence. Image sur les microfilms. Une image résultant de la superposition des microfilms A et B. Des numéros apparaissent sur les sièges des salles de conférence. Très bien. Très très bien. Y a rien d'autre ici. Apparemment, je regardais. Apparemment, il n'y a rien d'autre à faire. Non. Ok, donc tout le bas, en fait, tout le bas, on l'a fait. Bon, sauf ce qu'il y a à l'extérieur. En vrai, tout le bas, on l'a fait. Oh, y a un truc là-bas. Ça, je sais pas comment il va falloir l'ouvrir. Ah oui, mais je sais ce que c'est. Ok. Ça, ok. On a fait tout le bas, donc il va falloir faire le second étage. Mais pour faire le second étage, il va falloir ouvrir. Il va falloir ouvrir des portes, je pense, grâce à la vidéo. Grâce à la vidéo. Donc allez, c'est parti. Il va falloir encore esquiver. Je pense que ça devrait être la dernière fois qu'on esquive ces monstres là. Allez, Rebecca. Oui, il esquive encore. Incroyable. Incroyable, Rebecca. Rebecca, tu es incroyable. Tu es incroyable, Rebecca. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Merci bien. Merci, merci.
Bon. Allez, viens, viens avec moi, toi, petit Billy. Petit Billy, viens avec moi. On va aller ici. On va aller ici. Bon. Mettons le disque MO ici. Ok. 0A, veuillez entrer 0A. Code d'accès 0A. Ok. Donc il faut aller à 0A. Donc le 0A. 0A. Par contre, faut voir par rapport à donc le podium est là, le zéro est là. Ok, le zéro est là. Appuie. Et le A est là. Le A est là. Ok, donc on appuie et on appuie. Ah non. Très bien. Portes qui se sont ouvertes. Très bien. Très bien. Très très bien. Bon, maintenant, alors on va aller voir. Celle-là. Celle d'en bas. Il y en a une autre. Ah, il y a celle-là aussi. Ouais, ok. Donc celle-là. Donc on va commencer par celle-là qui est ici. Forcément, c'est plus logique. Est-ce que je prends Billy avec moi? Non. Tu restes là, Billy. Tu restes là pour l'instant. Alors. Zombie. Hop. Petite tête en moins. Avance. Petite tête en moins. C'est très bien ça. Ok, donc j'ai plusieurs portes. Alors. D'abord, il y a celle-là. Est-ce qu'on va dans celle-là en premier? Alors, on est dans celle-là. On les a éclatés, les deux là. Grosse balle dans la tête et plus personne. Ah. Partie d'échec. Partie d'échec. Alors. On va prendre les munitions déjà. Petite partie d'échec. Ah, des munitions encore ici. Et des rubans encreurs. Ça c'est bien ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sauvegarder. On va sauvegarder. On va sauvegarder, on va revenir. On va sauvegarder. J'ai fait beaucoup de choses. Et si je me loupe, je vais être dans le caca. Donc on va sauvegarder. On a bien avancé, je trouve. C'est vraiment bien. On a vraiment, vraiment bien avancé. Alors, on va sauvegarder.
On va laisser des rubans encore ici. Allez. Hop. Très bien. Très très bien. Ok, on va laisser les rubans encore ici. Laisser. On va équiper le pistolet. Et on va garder les munitions de fusil. Munitions de. Les munitions de. Du fusil, je vais les laisser à lui. Changer. Ok. Toi, prends ça pour l'instant. Ok. On va faire ça comme ça pour l'instant. On va repartir avec Rebecca. On va retourner dans la salle où on était en premier. Allez, on ira dans l'autre salle après. D'abord faire ça. Ça, c'est une énigme. Donc, si j'ai bien compris, oh, j'ai pas compris du tout. C'est un échec. Donc, il faut mettre. Ouais, ok. La partie s'est terminée sur un échec et mat. Ok. Donc. Le fou, on ne bouge pas. Il y a le pion, le roi, la reine. Non. Le pion, la tour, la reine et le roi, la tour. Le roi, la tour. Le fou, on ne bouge pas. Il y a le roi, la tour. Attends. Donc si j'ai bien compris, il faut mettre lui là. Attends, je revois vite fait ce troisième. Donc, il faut juste avancer le roi, le mettre au niveau de la tour. Pas bien compliqué. Ok. Non, on va te faire des conneries, toi. Ok. Ouais. Très bien. Ah. Un nouveau truc. Ah, ça doit être des ailes. Des ailes pour ouvrir. Ok, livre du mal. Journal de Marcus, le 4 décembre. Nous avons enfin réussi, le nouveau virus est prêt. Nous l'avons baptisé précurseur. Je veux le ramener et procéder immédiatement à des recherches approfondies. Le 23 mars, Spencer dit qu'il va monter sa société. Moi, je m'en fiche tant que je peux poursuivre mes recherches sur précurseur. C'est sa vie. 19 août. Spencer me demande sans cesse d'être le directeur de son nouveau centre. Ce n'est peut-être qu'une question d'affaires, mais son insistance devient vraiment intolérable. Ceci dit, il y a moyen de profiter de la situation. J'ai besoin d'une installation spéciale pour découvrir tous les secrets du virus. Un endroit où personne ne viendrait fouiner. 30 novembre. Maudit Spencer, il est encore venu se plaindre aujourd'hui. Pour lui, le précurseur n'est qu'un moyen de se remplir les poches. Imbécile. Son influence s'accroît et cela ne peut que nuire à mes recherches. Si je veux développer précurseur, je dois aussi renforcer ma position. 19 septembre, enfin. J'ai trouvé un moyen de créer un nouveau type de virus dérivé de précurseur en l'associant à l'ADN de Sansu. Je fais des progrès considérables. J'ai appelé ce nouveau virus T comme tyran. Le 23 octobre. C'est impossible, je ne peux pas progresser en expérimentant sur de simples rongeurs. Seuls les humains sont des mammifères acceptables pour ces expériences. C'est la condition sine qua non pour obtenir des résultats valables. 15 novembre. On dirait qu'on soupçonne quelque chose sur mes expériences, mais
Mais ce n'est peut-être que mon imagination. En tout cas, si quelqu'un fourre son nez dans mes affaires, il aura honneur de m'assister dans mes recherches. Le 13 janvier, enfin, elles sont prêtes, mais en merveilleuse sangsue, les faibles d'esprit n'auront jamais le privilège de goûter un tel sentiment de joie et de satisfaction. Je suis enfin en mesure de m'occuper de Spencer, bientôt je contrôlerai tout. 31 janvier, les dispositifs qui protégeaient mes travaux ont été dérangés, il semble que quelqu'un recherche T et les sangsues, les inconscients. C'est sans doute l'œuvre du groupe de Spencer. 11 février. Aujourd'hui, j'ai trouvé la preuve qu'on essaie de crocheter l'entrée du labo. Si c'est le cas, je dois trouver un moyen de régler le problème. Je devrais peut-être charger William et Albert de dénicher ces fouineurs. Je n'ai confiance qu'en personne d'autre, hormis mes chers sangsues, bien sûr. Mais Spencer, ça ne pourrait pas en rester là. J'annoncerai l'existence du thé à la prochaine réunion et je récolterai le fruit de mon travail. Ok. Très très bien. On peut se barrer. On peut se barrer, aller dans l'autre salle. Par contre, on va ouvrir le livre, bien sûr. Examiner. Hop. Hop, une petite aile. Ok. Par contre, j'ai plus de place. J'ai plus de place du tout. Donc, on va aller donner la petite aile à Monsieur Billy. Alors, Billy. Échanger ça. Encore. Que ça. On va lui laisser ça. Et on va se barrer. On va aller voir ce qu'il y a dans l'autre salle. Sachant que on aura tout regardé côté gauche, il ne restera plus que le côté droit à regarder et à l'extérieur en bas. Très bien, très très bien, ça. Ça avance, ça avance, ça avance très bien. Je suis très content. Allez. Bon, je pense qu'il y aura des zombies ici aussi. Forcément. On entend rien. Ok. Ok. On va y aller petit à petit. Hein. On va pas prendre. On va prendre son temps. On va le faire au pistolet. Parce qu'ils peuvent être très dangereux. On va essayer de pas perdre de vie. Oh putain! Ok. Bon. Bon moment. Ah putain, il m'a attrapé, enfoiré. Dégage. Ah non. Vas-y, on dégage. Bon. Ok. Bon. On va changer de. On va changer de tactique. On va changer de tactique. Ah ben j'ai pas équipé mon arme.
Ah putain, j'ai pas eu le temps, putain, casse-toi. Ok. Gage. Ok, il y a du soin ici. Ça, c'est plutôt bien. Attends. Ok. Va utiliser ça. Ok. Ok. Une lettre là. Je prends pas là. Il y a une lettre? Ok. Ok, note de première unité d'enquête. Nous inspectons les centres, beaucoup d'agents chimiques semblent intacts. Heureusement, les réservoirs de stockage sont encore pleins. Nous venons de commencer, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, mais il semble possible de mélanger des substances chimiques pour en produire de nouvelles. Les substances sont complètement dispersées. Ce n'est pas le résultat d'un accident, mais d'une erreur d'organisation manifeste. Lorsque nous rouvrirons le centre, il faudra adopter un système pour gérer ces substances chimiques. Il n'y a qu'une chose de griffonné au dos. Rouge plus bleu acide, vert plus rouge décapant. Ok. Donc ça va nous servir ça. Ça. Ouais. Okay. Herbe bleue. Un autre ici, apparemment. Non, il n'y a rien d'autre. Il y a des substances. Alors, ce qu'on va faire. Ok, on va prendre Rebecca. Parce que je sais pourquoi ils serviront, c'est une sorte de poison, c'est anti-poison, ça c'est des anti-poisons en fait. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Attends. Ok. Ok. Ouais, ok, 36. Ok. Bon. Ok, Rebecca va prendre les deux herbes. Les deux herbes. J'ai plus d'herbes vertes, ça c'est plutôt emmerdant. Donc là on a tout visité. On a tout visité. Donc il va falloir visiter de l'autre côté. Non, l'autre côté on peut pas encore. Il va falloir aller dehors. Donc il va falloir aller au sous-sol et aller dehors. Sachant qu'en haut, il faudra y aller qu'à la fin. Faudra y aller qu'à la fin là-bas. Donc allez, on va aller dehors chercher ce qui nous manque et on pourra revenir. Donc allez, c'est parti. On va aller sauvegarder. Très très bien. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Donc en espérant que cela vous aura plu, on se retrouve très vite pour la suite de Resident Evil 0. Allez, peace, nous.